Alors ça vient. Au départ de Catacolo. On a eu quelques petits. Il y en a qui ont des petits soucis. Ouais, Catacolo, il faut faire attention à la chaîne qui traverse la marina. Et là, il y a un 46 pieds qui a mouillé très long, 100 mètres, et ben il a pris la chaîne. Et un Italien qui a pris aussi la chaîne, ouais, juste avant lui, qui était obligé de retourner à sa place. Ouais. Et qui attend le plongeur, qui va lui coûter 80 euros. Ça, c'est le lot des chaînes. Donc là, on est parti de... De Catacolo pour aller à Kiparissia. 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 Sur la même baie. Et nous suivons. Nous suivons Sonate. Sonate qui passe partie devant. Et là, on était au moins 5 bateaux français, 5 ou 6 bateaux français. On domine en ce moment les Grèces. Le gros cargo là, il est arrivé ce matin à 8h. C'est pas un cargo, c'est un paquebot. Un paquebot. Un paquebot. Ça dépend où on se trouve en France, c'est soit paquebot, soit paquebot. Il n'y a pas trop de vent et qu'on est près du vent arrière, c'est pas toujours évident avec le génois. Bon bah pour la première fois, nous sommes toutes voiles dehors avec le jeu de voile complètement neuf. Nous sommes en mode vent au 160.
voilà. Elle est bien descendue, mais pas entièrement. C'est quand même légèrement décevant encore. Et il va falloir qu'on arrive, Jacques, à la tirer à chaque fois en arrière pour la plier. Qu'elle prenne des plis. Qu'elle devrait descendre en plis. Ouais, j'aurais dû lâcher le hasard. Ah, voilà, c'est ça. Tu mets la comprendre. Ah, ils vont affaler en rentrant dans le corps. Ah oui, ils sont face au vent. Thank you.
port de Kyparissia, c'est une très bonne protection et c'est très tranquille. Alors c'est un port, on ne peut pas dire que ce soit une marina, non, c'est pas une marina, c'est un port. Et les pêcheurs, sans prétention, c'est très calme. Et donc on est OK alongside, ou on peut se mettre aussi à la chaîne pour faire de la place. Et puis, ou alors mouiller au milieu. Et puis, bon, bah là, il y a une très bonne taverne juste en face, là. Et le village est un peu loin, un quart d'heure de marche. Mais nous avons pris le taxi hier avec Sabine, qui a quelques difficultés à marcher. Et bien, le taxi nous a pris 3 euros là, pour faire les 2 km jusqu'à, peut-être pas tout à fait 2 km, oui, à peu près 2 km pour monter au centre-ville, qui est très vivant. Et là, on est vraiment en Grèce. C'est moins touristique, c'est vraiment le cœur du pays. Très intéressant, le samedi, c'était très vivant. Voilà. Et donc ce matin, bah, on repart pour redescendre, continuer tout droit, et là, on va aller à Pylos cette fois-ci. Et nous pensons là pour retrouver nos amis danois qui sont là-bas au mouillage. Zanat est en train de préparer son appareillage. Et là, on a un bateau qui s'apprête à partir. En pleine action. Faut que tu mettes une boule à l'arrière. Ouais. Non, non, il ne l'a pas utilisé. Ah, je vais faire pareil.